Just.
man vit pour moi. Ma six man vit pour s'amener. Ma six man vit pour famille. Mais ma vie pour me faire plaisir, cet esprit. C'est la matière. Ou même qui s'est consolateur de ma vie. Ou même qui doit me consoler, Seigneur. Papa n'a pas de matière. Mais nous devons matière. Mais nous, recevons-nous. Recevons-nous comme un sacrifice. Recevons-nous comme une offrande de bonne odeur, Seigneur. Mais nous vivons, n'a pas de paroles à vous dire. Si ce soit une vie pour moi, si ce soit une vie pour amis, si ce soit une vie pour papa, si ce soit une vie pour faire l'église plaisir, mais nous voulons vivre pour vous. Seigneur, matin, mais nous devons matin, Seigneur. Faites connaître, vivre sous des salles. C'est pas pour faire tête nos plaisirs. Amen. C'est pas pour faire, amen, pays à plaisir. C'est pas pour faire sonner, réalité plaisir, mais c'est pour faire plaisir. Seigneur, pour faire plaisir, nous avons bonne bagaille pour quitter, mais nous avons bonne fils qui nous a dit, Seigneur, faire tomber, bâtir. Allez, amen. Faut qu'hypocrisie tombe. Amen. Faut que jalousie tombe. Amen. Amen. Faut pas de mal tomber. Bâtir. Nous tombons devant, Seigneur. La main nous retire tout ça de la vie, non. Retire l'hypocrisie. Nettoyez nos mêmes jeunes David dit. Amen. David dit, nettoyez ma vie. Et Seigneur, là, ma vie, ça va faire service. Ma vie, nous devons, Seigneur. Donc, oui, la parole de Dieu. Ma vie, comme si vous attendez nous. C'est en train de nous guérir. Et c'est pour que nous finissons ma vie. Seigneur, il y a un plus bagage qui a fait ma parole de Dieu. Il y a un plus bagage qui m'a du chemin. Nous. Seigneur, tu as bloqué la relation avec nous. Seigneur, la parole de ma vie. Amen. Nous voulons renouveler l'engagement avec ma vie. Nous voulons faire plaisir, Seigneur, nous voulons faire plaisir, ma fille.
Seigneur, pour te dire à tous les services, Seigneur, à ma méditation, par les prières, mon Dieu.
Philippiens, le chapitre 2, verset 1 à 18. Si donc il y a quelqu'un consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement de la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, sans hésitation, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Que le Seigneur bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de cette assemblée. Amen. Mes frères et sœurs, amis, ou même qu'écoutez-nous à travers l'Internet, YouTube, Facebook, ou même que nous longtemps que nous parlons, ou même que nous sommes pour toute la première fois, nous saluons de nos précieux de Jésus. Amen. Abdi, nous comptons au matin. Et en espérant que le moment que nous allons passer ensemble va un moment de gloire, un moment de transformation pour nous-mêmes avec la famille. Et nous avons campé pour nous remercier Coralie hier, qui était une performance exceptionnelle. Côté que match pour 90% Coralie a été réunie hier. Et nous croyons maestra et content. Et nous encourageons encore pour samedi prochain, à la même heure, toujours à 5h30. Nous attendons tout le monde pour aller à 5h30 pour nous capables de finir chanter, pour nous capables de chanter, pour nous faire bonne gloire pour Pâques qui venir. Et nous avons profité le temps pour nous dire si par exemple, ou beaucoup dans la répétition, nous toujours capables de venir dans la répétition. Mais nous croyons que nous arrivons trop loin dans le chant pour maestra recommencer avec nous. Vous êtes capable d'apprendre le chant, mais là, c'est impossible pour chanter avec nous pour dimanche Pâques. Parce que vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas connaître le chant réellement. Vous êtes fini, mais vous ne pouvez pas chanter avec nous pour dimanche Pâques. Parce que maestra a fait trop d'efforts, surtout avec Basla. Oui, réellement, c'est une très belle performance que nous croyons, maestra. Nous contents, une très belle performance. Nous contents pour moi qui ai visité notre croix là pour toute première fois hier.
Et n'attends-nous encore en espérant samedi prochain travailler en performance qui est plus belle que des magistrats, va plus content toujours. Que bon Dieu bénisse. Et nous gagnons le service de la semaine. Nous gagnons le service de M. Jébé qui est 21 mars, qui a fait Frère Joli Bois. C'est toujours, nous connaissons l'Inglan, ou à faire les mémoires pour va connecter avec nous. C'est à partir de 7h pour 9h. Et chaque mardi, nous avons une étude publique avec son pasteur Périclès, toujours sous l'Inglan, même numéro qui est sur l'écran. C'est à partir de 7h pour 9h. Et puis, jeudi, nous avons un service de prière pour l'église, toujours sous l'Inglan, à partir de 7h pour 9h. Et samedi, nous avons un jeûne de prière qui est fait dans l'église, là, à partir de 9h pour midi. Ou même qui a besoin d'un témoignage, qui a besoin de faire solo. Parce que ce service-là, nous ne sommes pas capables dimanche matin pour avoir accès pour faire solo le témoignage. Et tu as préféré pour venir en jeûne le samedi pour être capable de gagner temps pour faire solo et témoignage. Tu as tout le monde jeûne samedi à partir de 9h pour midi. Et semaine capée et dimanche cap 10 avril, nous avons gagné une très belle semaine. Et qui a commencé dimanche matin 10 avril, qui a fini le dimanche prochain le 17 avril, qui va être sur cette parole de Jésus sur la croix. Et la très belle semaine, nous avons demandé d'inviter les gens à venir participer avec nous, c'est à partir de 7h pour 9h. Dimanche matin, nous avons commencé dimanche matin, 10 avril, pour toute cette semaine-là, à partir de 7h pour 9h lundi, à partir de 7h pour 9h, jusqu'à vendredi, et puis dimanche, qui va finir dimanche, qui va être la fête de Pâques. Et Napmado va continuer à prier pour Frémo. Nous connaissons Frémo qui a recevoir une semaine, une annonce en semaine, ou même qu'il a un choral, qu'il a un homme, qu'il a une dame, nous croyons que vous recommencez Frémo bien là. Puis il y a une maman qui quitte nous, qui partit pour ça qui allait. Vous va prier pour lui, ou même qui prend le numéro, nous va aller tout. Et il y a avec nous matin, après de prier pour lui. Et seulement bon Dieu capable de consoler la situation. Ça. Donc capable de prier, mais bon Dieu va faire pression pour nous-mêmes. Et la demande, on va continuer à prier pour madame pasteur Yves, nous connaissons l'hôpital, mais nous connaissons la Cali. Continuez à prier pour lui. Et continuez à prier aussi pour la soeur Jacqueline. Nous connaissons qu'il va tellement bien, le baron que j'en lis va continuer à prier pour lui. Continuez à prier pour la soeur Edette, quand elle fait l'opération, qu'elle a calé, continuez à prier pour lui, bon Dieu va restaurer. Et plus tard, à 5h30, nous attendons les hommes et les dames, à 5h30. Et très, très, surtout pour Omio, nous besoin nous, et spécialement nous besoin le frère Hilaire et le frère Julio. Puis tu si es capable là, tout comité homme, tu es capable là avec tout membre qui fait membre les hommes, qui fait membre les hommes, ou même qui veut venir membre les hommes, tout, n'attendons plus tard à partir de 5h30. N'attendons les hommes et les dames à partir de 5h30. Maintenant, nous gagnons, ils ont invité, c'est nos amis de l'église, amis pasteurs qui est avec nous, Mathéa, c'est le frère Jean-Claude. La pandémie qui va avancer et nous croyons que les sélections va faire à l'église. La paix avec vous. Amen. La paix avec vous. Amen. La paix avec vous. Amen. Et il y a deux mouns qui sont devant moi qui étaient par le verset, mais m'a dit, voyons-nous forcer ces violents qui vont entrer. Amen. Ah oui, voyons-nous forcer ces violents. Matin, je viens à mon compte en pile violent matin. Dans l'étude que tu as fait matin, dans le son matin. Très bien, frère. C'est frère qui a fait le son, moi, qui aime la passion morte, qui était tout ce qu'on attendait de nous la faire de passion. La paix avec vous. La paix avec vous. Amen. La paix avec vous. Amen. Moi, songé au jour, moi, descendu. Qu'elle t'a bouleversé, pas de problème à vie. Pendant ta passion, de l'eau coulée dans le même. Oh, à la souffrance, elle t'a bouleversé.
Thank you.
Si bagaille en avant, dans ta innocence, Mais depuis qu'on a fait le péché, on est tous là pour malade. Mais je suis là pour être capable de guérir. Amen. Je veux dire, mon Dieu, merci pour qui est là. Je félicite tout le monde qui est là maintenant. Une Bible de gloire, par esprit de gratitude, pour ça que Dieu fait pour nous. Je suis là jusqu'à ce monsieur va venir. Maintenant, nous allons faire un message pour lequel nous allons dire à l'échelle pour le peuple qui consacré. Il n'est pas capable de la caper pour mourir sans baptiser. Vous savez, ça c'est parce que nous avons un texte raciste dans le même. Et pas comme ce contexte-là. Tout le monde a un texte raciste. Exode 15, c'est ça. Un texte raciste. C'est là depuis combien de temps? Chaque monde qui passe, il prend pas compte. Un matin, même passé, je ne peux pas vous donner Jésus. Amen. Et j'ai mis le texte pour nous, nous connaissons déjà. Il dit, moi, les anges, je suis parti d'Israël, la mer rouge. Ok. Le texte, c'est un texte chaque dimanche, je ne l'ai pas là. Par contre, c'est parce que le pasteur veut tout le monde, c'est lui qui veut tout le monde là. Donc, c'est un langage. Texte là, c'est dans Exode 15, du verset 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après trois journées de marche dans le désert, ils le trouvèrent en eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ?» Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna, peuple des rois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne t'y frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, près de l'eau. Amen. Je vais trouver l'eau très loin. Je vais penser très loin. Parce que nous avons un message matin de comparaison. Dans Matthieu 7, verset 16, il dit, Marc 7, verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Et verset ça, c'est un verset de décision. Il dit, mon qui croit, le prophète croit, et ou baptisé, ou absolu. Ça, c'est une détermination que mon amant pour lui capable de sauver. Et ça fait nous comprendre que tout le monde qui dit qu'il croit en Dieu, qui va jamais prendre une décision, pour nous baptiser, ça veut dire qu'il fait choix, pour nous passer. Alors, on a parlé du baptême. Parce que l'homme n'a de Christ là comme sur le personnel, ou baptisé, ça veut dire que plonger dans les eaux du baptême, ou mourir avec toutes les mauvaises mœurs, ou ressusciter avec les bonnes mœurs, ou ressusciter avec une décision, ou marcher avec bon Dieu, etc. Une décision, ça arrive pour nous prendre, ce n'est pas une décision légère que Dieu.
Son décision que les ennemis ont exercé à Satan déjà, les précipités par nous davantage parce qu'il y a nous-mêmes pour décision pour quitter le net. Et c'est une raison dans le match 3. Dans le match 3, verset 13 à 17, nous voyons que les dit. Et toi, j'ai 13 à 17. Il dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne s'y résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui entend dans les cieux ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez que Jésus-Christ, lorsque il est monté avec Jean, baptisé lui, Jean parlait, Jean dit, c'est lui plutôt qui a baptisé par Jésus. Jésus dit, laissez qu'il fête qu'on y a, parce qu'il est juste pour le fête. Pourquoi ça? Parce qu'ils sont dans le mal, il faut que Jésus quand même ait un exemple à tout le monde qui accepte la vie comme c'est l'esprit de lui, pour que tu sois baptisé. Mais pour Jésus, même il n'y a pas besoin de baptiser, parce que Jésus, il n'est pas sorti de la terre, il est sorti du ciel. Donc il met un exemple, et là nous continuons avec le texte là, nous voyons que l'Éternel même lui parlait, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Là, ça, l'Éternel fait pour l'arrivée. Identifier Jésus comme petit lit, il adopte comme un homme, comme petit lit. Donc pour montrer que lorsque nous accepte Christ, nous avons comme ce texte de nous, ou le baptiser. C'est ça que, à continuer dans le chapitre 4, nous avons dit, alors Jésus fut terminé par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et pour continuer notre histoire, lorsque Jésus fin baptisé, on a éliminé dans le désert par le diable, et alors il est tenté par le diable. Il prend trois tentations. Et ça a fait pour que tout le monde capte Christ là, comme sur les personnels, ou il est tenté par le diable. Mais pendant qu'on était par le diable, ça avait dit que l'Éternel a des yeux sur toi. C'est ça fait, lorsque vous êtes tenté par le diable comme ça, vous devez continuer à tenter par le diable. Parce que l'Éternel est là pour qu'il soit capable de protéger. Donc, vous pouvez aller jusqu'à ce que l'Éternel lui retire. Parce que dans le dernier verset, chapitre 4, là, dans le dernier verset, verset 11, il dit, alors le diable le laissa, et voici, les anges viennent auprès de lui et le servir. Donc, lorsque vous êtes tenté par le diable, ou fin de prendre quelque chose à fin de prendre et prendre ça dans le désert. Donc, chaque fois que c'est le Christ là, comme c'est le Père de nous, c'est dans le désert que nous vient pour être au cap, non, situation de manquement. Donc, nous l'avons laissé parler tout le monde qui l'a remarqué, lorsque l'on accepte le Christ là, comme c'est le Père de nous, ou qui soit la qui possible, soit la qui normale, à ce que vous vivez, nous avons la vie qui dure. Parce que c'est une épreuve que l'Éternel Dieu lui mettait. Parfois, quand nous venons dans une situation où nous ne mangeons pas à manger, toujours comprendre que les yeux l'Éternel lisent sous parce que c'est une épreuve qu'on est. Ou quand nous venons dans une situation où nous venons dans mon Dieu, ou quand nous venons comprendre que mon Dieu lisent sous l'Ibapi Dieu offre. Ou quand nous venons dans une situation où nous venons dans mon Dieu, sous qu'on est que vous êtes là parce que c'est dans une épreuve qu'on est. Et ça fait à continuer, là, nous commençons à lire. Dans Luc 22, 41, à verset 41 à 42,
Luc 22, 41 à 42. Mais ça te dit, puis il se noya d'eux à la distance d'environ un geste de guerre et s'étant mis à genoux, il bouilla, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne soit pas mais la tienne. La mort de Jésus-Christ, lorsque tout le monde est pour lui, il y a un côté de l'élevé. Que il sentit que ça lui fait, il dit pour lui, il sentit que il t'a dit bon. Et ça veut dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc il y a une façon pour qui amère, donc il y a une obligé de lever en moi pour qu'il amère ça. Et à continuer, nous venons dans Luc 23, verset 32 à 33. Luc 23, verset 32 à 33, il dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux magistrats, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit au Père, l'un à droite et l'autre à gauche. Alors, dans le droit, on conduisit en même temps deux magistrats qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux magistrats, l'un à droite et l'autre à gauche. Donc nous avons la tentation que Jésus prend, c'est marcher la marcher. Parce que quoi ça a de prendre le crucifié Jésus-Christ, quoi ça nous considère comme Jésus-Christ, une barrière. Nous considère comme pour Jésus-Christ nos forteresses. Nos forteresses. Donc, mine que lorsque vous finissez le Christ, là, vous comme sur les pères sur les loups, ou que vous vivez dans la vie ou que vous devez traverser votre ça. Ou que vous traversez la barrière ça. Parce que nous allons arriver au moment où que de nous coupe à mer là. Parce que sur la croix, nous venons de l'île où l'on peut dire l'histoire. Donc lorsqu'il y a une soif qui se va le voir, il va le faire. Parce qu'il s'est dit que douleur a dit amère pour lui. Et dans 1 Corinthiens 15, dans 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4, dit quand je vous ai conseillé, avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés sur les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc nous voyons que là, Jésus-Christ, après que Jésus vit devant la croix, il vit crucifié, mais il vit mourir. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, il ressuscité. Cela veut dire qu'il traverse ces barrières-là. Donc c'est à partir de ces barrières qu'il traverse, c'est alors qu'il vit des succès que le tabacounia, il t'a offert à nous-mêmes aujourd'hui. La grâce de Dieu, il t'a offert aujourd'hui et la bénédiction, il t'a offert aujourd'hui le ciel. Mais ce que dans le texte que nous sommes dans le Exode 15, nous voyons qu'il dit Moïse qui partit Israël de la mer rouge, il prit la direction de l'Israël de Chine et après 3 jours de marche dans le désert, il ne trouvait plus d'eau. Donc tout le monde connaît que Moïse, ce n'est pas à partir de l'Égypte qu'il est parti avec le peuple d'Israël. Tout le monde connaît Moïse, le Moïse à partir de Mousson, dans le pays d'Égypte. Mais texte il dit que Moïse fit partie d'Israël de la maison, de la mer rouge, il prit la direction de Chypre. Le type de la mer rouge, là, ça veut dire que c'est à partir de là qu'elle commençait avec le peuple, même que tout le monde connaît que la traversée du peuple israélien dans le désert, il symbolisait le baptême. Et c'est ça que tout à l'heure, on est commencé avec nous par Jésus-Christ qui est baptisé, qui est dans le désert là, qui veut devant toi, il a crucifié, il a traversé. Donc, notre texte, ça, son texte, nous comparer avec la personne de Jésus-Christ, parce que là, le texte a juste passé 3 ans avec Moïse, mais là, le texte, il dit que, après que Père Israël est sorti de la mer rouge, il baptisait, il passait 3 jours. 3 jours de l'Église. Est-ce que le même pareil, Christ est venu sur la terre, il fait 3 ans à évangéliser,
qui vont côté, qui est les marins. L'histoire d'eau. Et là, que l'histoire d'eau, l'air va le donner, l'air doit aller à mer, il n'y a pas qu'à boire. Dieu dit Moïse, qui s'est accoué, il dit ça. Parce qu'on connaît déjà appelé Moïse. Du moins, qui s'en a pour elle? En disant, le mot de Chine, il signifie barrière. Le mot de Chine signifie forteresse. Le mot de Chine signifie barrage. Et c'est ça que fait la dame, mais comparé, ça me sortit derrière, les soins de Jésus-Christ, qui est devant la croix, comme on trouve Amen, lorsque lui demandait pour être barrière, et le peuple d'Israël, après qu'il finisse baptisé, il tombe dans le désert, après que la pire souffrance. Mais avec nous-mêmes, je dis, lorsque nous prenons Christ dans la vie, comme ça, peste nous, n'a pas la pire souffrance. Et en pire fois, nous connaissons des moments que nous pensons que je suis Christ parce que nous, je mon Dieu parce que nous, parce que peut-être qu'on va la vie du bout. Moi, Dieu a espéré à nous maintenant que pas comprendre que je suis Jésus-Christ parce que Jésus-Christ sous seulement là, d'un côté, traversé la barrière. Mais même que Christ a traversé la croix de ce que Jésus a une barrière qui a traversé pour justifier nous. Il y a de même que le peuple d'Israël lui a traversé Mara, ou bien la guerre de Chir, qui représente comme une barrière pour eux, qui est devant Mara, que nous va ouvrir comme nous, on doit y aller. Qui ça, Moïse fait? Vous regardez. Le peuple a pris le miracle de Moïse en disant, comment allons-nous? Moïse prit la prière à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau, et l'eau devait douce. Guillaume, nous sommes arrivés à faire comme il. L'homme a bénis son légume comme sur la vie. Parce que tout son ami, l'issue du malheur. La petite, l'éternel indiqua, il dit indiqué à Moïse, nous voit. Ça veut dire que l'homme a bien dit qu'on a un yes, faut que le Bible ne peut pas perdre la vie. Parce que quand vous faites non, on fait si. Et quand vous faites ouest, on fait ouest. Lorsque l'homme a bien dit qu'il y a un médicament, ou bien prendre pile de cochons, médicaments éthiques pour acheter, parce que sur leur médicament, ça peut être fait. Donc l'Éternel, lui, indiquait à Moïse le bois. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui bois que Moïse a choisi. C'est pas n'importe qui bois. Nous allons pour moi la signification de ce bois. Nous parlons qui ça boit et ce qui signifie. Attention, nous parlons de Exode 25, verset 10. Exode 25, verset 10. Exode 25, verset 10. Il dit, ils feront une arche de bois d'acacia. Vous allez me voir. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi. Sa largeur d'une coudée et demi. Et sa hauteur d'une coudée et demi. Verset 11. Tu la couvriras d'orpille, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout à suite. Donc, nous parlons de bois et nous parlons de l'or. Parce que le verset dit ça, il dit, il fera une hache de bois d'acacia. L'hache typique de la présence de Dieu. Et il dit de bois d'acacia. Le verset qu'on a dit, tu la couvriras d'or pur. L'or symbolisait l'Éternel, Dieu. On savait que l'hache à faire n'a fait que bois. Et l'Éternel a couvri bois. Le bois symbolisait Jésus-Christ mort. L'or symbolisait l'Éternel. Dans
présence du bois représentait Jésus-Christ. Et l'or représentait l'éternel Dieu. Ma prochaine vidéo. Et Jean 25, verset 23 à 24. Jean 25, verset 23 à 24. Il dit, tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 9 coudées, sa largeur d'une coudée et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Bois symbolisait Jésus-Christ en, et l'or là symbolisait bon Dieu. Verset 24, il dit, tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Bois symbolisait la présence de Jésus-Christ en, et l'or là symbolisait Dieu. Nous parlons de Nombre 17, verset 8. Nombre 17, verset 8. Nombre 17, verset 8. Nombre 17, verset 8. Il dit, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la Vierge d'Aaron pour la maison de Lévi avec fleuri. Elle avait poussé des boutons produits des fleurs et mûri de la main. La veille d'Aaron sur son bois qu'elle est passée pas comme métal parce qu'on métal dans la fleur. La veille d'Aaron sur son bois qu'elle est parce que la veille d'Aaron n'est pas capable de pousser des boutons. La veille d'Aaron sur son bois qu'elle est parce qu'elle n'est pas capable de faire mûr de aucune fleur. Et la veille d'Aaron symbolisait la présence de Jésus de Dieu. Donc ce bois-là que l'Éternel qui indiquait à Moïse pour choisir, il passait de l'autre bout que la présence de Jésus-Christ qui était représentée. Donc si on veut la présence de Jésus-Christ, c'est une raison que lorsque nous textes ne peut pas arriver devant Amara, il voit que le roi doit aller immédiatement que Moïse choisit. Bois que l'Éternel qu'il peut prendre, il dit qu'elle peut prendre, immédiatement que bois tombe dans le roi doit arriver douce. Nous savons que la vie qui amène, par que l'homme ne va pas faire la vie ou tous que seulement la présence de Jésus. Quelque chose amène que la vie est amène ou quelque chose que tu as passé la vie, même si tu es travail ou pas du travail, même si tu es résolu ou pas la vie, Jésus-Christ qui t'a fait tout dans sa cour, parce que c'est lui seul qui t'a appris le malade. Je ne sais pas comment Dieu s'est fait pour nous et nous faire tous. Pourquoi comme ça? Je ne sais pas comment nous. À nous verser. Et c'est le Christ qui a tombé dans la vie. Il est dans la vie agréable. Ça a mort quand même, tu souris. Et puis c'est le Christ qui est. Parce que mettre le Christ un peu pour la boue. Mais toi, la gomme. Les gens qui n'ont pas parlé, ou pas sont pas parlé, je garantis que sous la parole de Christ, la vie, grand Christ, je garantis que les gens qui n'ont pas parlé, Christ a pour nous la boue, le frère, la boue, la nuit de la nuit. Et que les gens qui l'ont garanti, mais par moi, même que Dieu n'a pas besoin de mon tableau, par moi, Dieu n'a pas besoin de nous, mais que pour Christ, la vie, comme j'ai mentionné, Christ fait la vie à vous tous. Si tout le monde qui l'a appelé par ce que Christ pour avoir du mal, mais je veux. Parce qu'il y a quelques questions pour me poser comment arriver. C'est celle-là qui va accepter la vie comme ça, personne, il l'a voulu tous, mais elle avait tourné. C'est pour comprendre que de pouvoir accepter Christ comme ça, personne, après le baptême, ou selon mon désir, tout vient, son normal de pouvoir désirer, mais déjà pas du tout. On ne l'a pas commencé. Mais nous désirons Jésus qui s'en fait. Jésus parle de nos batailles, non seulement. Parce que l'époque, c'est le Christ, là, nous, comme c'est le Père de nous, dossier au Seigneur. Ou venir les générer, que c'est les générer, ou partir nous de petit. Christ, nous, 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 nous
Au bac dans le collège, Christ a fait le collège. Si on croyait qu'on venait du pochette, on croyait qu'il marque, Christ a gagné le frère. C'est si vous avez un problème, ne pas retenir, vous pouvez aller avec Christ. Christ a fait mon ami douce pour vous, parce que le métier se prend dans la mer, frère douce. Le métier se prend la vie du monde, c'est la vie de mon ami la mer. Comment je vais faire des hommes dans le cours ici, pour tourner à Haïti, parce qu'il y aura un casque aussi, parce que c'est. Et vous n'avez pas accepté Christ là, comme si elle avait voulu passer ma guerre. Tout le monde, je veux toute famille dans les balais, mais il n'y a pas capable. C'est un Christ qui va faire la vie, mais douce. Nous sommes découragés maintenant parce qu'on a la 10 coups et parce qu'on est dans le désert. Et tu comprends que, pas de commerce qu'on se fait. Ou se commercer dans le désert, ou à bout d'un mar, Christ a fait la vie douce pour. Jésus-Christ est commencé dans le désert là, il tentait par le diable, lorsqu'il venait sur la croix, il traversait par les larmes de terre, mais même que lorsqu'on est dans le désert là, ou que tu es là, jusqu'à le traverser par là. Pourquoi traverser par là? Et c'est ça fait dans le texte à continuer, vous voyez, il dit, il appelle que tu traverses par là, il dit, si tu écoutes attentivement, la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne frapperai d'aucune des maladies dont je frapperai les Égyptiens quand je suis l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel est responsable de quelques maladies. Et elle a tout dit avec des maladies. Maladie de Covid, maladie de Bignac, maladie de Bel, ou cancer, par la guerre. Christ n'est pas qu'elle, comme ça. Parce que le médecin, c'est le grand monde, répare le monde du malheur. Le médecin, c'est tout ça. Ça fait que moi-même, pas avec un petit tout. Parce que j'ai Christ, maladie de Covid, c'est personne. Et ça fait que moi, lorsque je me travaille, je me dis, mais, m'a joué pour la patience. Parce que lorsqu'on est travaillé pour Dieu dans le même, son père à deux traditions dans le même, n'est pas toujours fou joie avec la couleur. Et la Bible qui ne pourrait bien verser, il dit, malheureux qui peut travailler pour Dieu avec négligence. Marcher dans la Dieu. Il a trouvé Christ pour moi, m'a tourné en haut. Et ça fait peuple d'Israël, lorsque je traverse la mer rouge, au contraire qu'on je fais. Libère le peuple d'Israël dans les gens. Quand il y a des gens qui partent du droit, venir avec le droit et le droit n'y est tout. Nous connaissons ça. Et il fait d'une façon, parce que depuis que c'est le crime, on ne peut pas tourner encore. Parce que le peuple d'Israël a fait une traversée dans la mer rouge qui symbolisait et battait l'eau dans la mer rouge. Parce que même si on avait tourné par le côté de l'eau, ça passe sur le même. Tout le monde va sur le même. Vous tournez encore pour les gens. Personne. Donc c'est avancé, et piquer pour piquer devant, jusqu'à ce que traverser par ça, jusqu'à ce que traverser frontière ça, parce que frontière là, faut traverser. Depuis le moment où c'est pour vous décourager, longer à terre pour le papier de Dieu. Mais pour la Bible, la parole de Dieu, pour le bon faire pour commencer, parce que son soldat connaît, tout soldat pour faire par soldat, c'est un avant que lui. Et nous avons dit, pas comprendre que le soir au monde, dans bien sérieux, il a Christ qui choisi, il traverse déjà là. Il doit être dans le sort au monde, il doit être déjà déjà. Parce que le monde déjà, il peut traverser tous nos jours pour aller venir avec. Son piquet pour lui devant jusqu'à ce qu'il traverse par là. Et lorsqu'on fait traverser par là, là c'est ce qu'il fait dans tout pour là, ou pour aller tomber pour dans la déchelle. Et ça fait après que le Dieu nous prépare pour traverser par là, ou être libéré de notre monde. Il est si descendu, m'a guéri à n'importe qui m'a dit. La Bible dit les âmes, c'est qu'on doit rester. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment que l'on avait est tombé sur ses épaules. Et c'est parce que même ici que nous sommes guéris.
Donc si vous prenez ton congé de la zone baptême, si vous prenez que vous rêvez, mais on va mettre, on va faire ce qui se mourit, si vous êtes prêts toutes les fractions, pour ces groupes de prédits, il s'est passé le même sûr que nous sommes guéris. Ils ne sont pas étonnés à vos jours et à la journée. Crie de la fête pour vous avez la boue pour guérir. Amen. Parce que, il n'y a pas d'aucune maladie que le Pacadé. Nous ne sommes pas des bonnes. Nous ne sommes pas des limites. D'ailleurs, il y a le pouvoir dans le ciel. Nous sommes dit la table à l'homme, qui est bien. Il y a le pouvoir dans le ciel, sur la terre, sur la terre. Et si vous ne pouvez pas parler sur la terre, il va prendre le ciel, le ciel ne peut pas. Parce que les affaires, nous connaissons mille fois, nous commençons bien que les limites sont la cour. Mais pour Christ, il va bien, parce que le pouvoir dans le ciel, sur la terre, sur la terre. Et dans verset 27 là, il dit, ils arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, et 70 palmiers, ils campaient là près de l'eau. Vous savez que ça dispose à vous-même, l'autre traversé de l'eau de Bala. Pourquoi comme source d'eau qui prépare pour vous? Le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement de Dieu. C'est le chiffre du ministère de Dieu. Donc, on a un ministère, on pourrait nommer deux ministères. Et l'un représentait la présence de Jésus-Christ. Aux sources. Aux sources. Donc, 12, ça, 12 000, c'est ça. Il représentait même le cœur où tu as mouru. Sous cela, là, pour ressusciter. Les représentants, même dans ta maladie chronique, dans le ministère, ça, des docteurs, et si vous avez tous sous, tout ça, c'est Christ qui se montre tous sous. Ça veut dire que, quel que soit un sac au pied, Christ de pouvoir, pour le bon relâchement, il n'y a pas de pouvoir dans le monde. Les tous sous, les tous qui se Christ. Ou pas, on va quel plus, tu as fait les 12 apôtres, 12 écoutes d'Israël, tu as fait les 12. C'est le chef du gouvernement de Dieu. Et toutes ces sources, il y a le président de Jésus-Christ. Ça veut dire que quel que soit le problème coréen, portez le bâtiment. Portez, voilà, il y a un autre docteur, du mois, 3 mois, allez côté Jésus-Christ, parce que la vie ou pas Dieu que mes docteurs, la vie est mon Dieu que Dieu, elle est pour les clans. Vous mettez barrière pour vous ramasser, pas au de passer, qui se voit pour chasser la barrière. Vous mettez la barrière chez vous, pas pour ça, pour évoquer vous, dans le monde, parce que le monde qui met le travail là, et pas pour ce travail là, c'est Christ qui met le travail. Quand je m'en travaille là, Anissa, elle a fait une 34 pour le travail. Et c'est pas deux postes qui l'ont organisé, moi, vous voulez vous aller. Mangez l'esprit par moi, mais vous voulez. Et vous voulez les derniers. Bataille, tout vient nous garder de tout à l'heure. Parce que c'est Christ qui dit au monde, mets-toi chitala. Chitala. Et moi, expérience, lorsque je fais le travail, je fais un peu de 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 travail. Et puis, je vais me dire, et nous ne passons pas de côté de nous, il y a une vision. L'idée de Dieu, c'est que nous avons dit, bon, on va y aller avec nous, on va y aller. Un autre thème, son réponse par les mecs, ça me dit que nous avons dit là, et là, nous avons dit. Ou même comme après un an, elles ne sont pas rien à faire pour moi. Mais une bosse à quelqu'un que vous voulez. Leur Christ met tout de mon côté, c'est pour chita. L'homme pour dépasser la foi. L'homme doit comprendre la population. Il n'y a pas de nous pour dépasser. Mais la place de personne sont les autres. Mais quand même. C'est comme ça, le tour de Christ travaille pour devenir la douleur. Nous avons travaillé 4 ans déjà. Et nous avons travaillé là, pour ça, pour ça. Le mouet, ma vie, c'est le travail, et tout le monde a reçu pour l'église.
finalement, même si nous ne partons pas, l'homme pour me dire ça, je me suis dit que 4 ans à 6 ans. Le mal à travail là, nous avons un job de gagner pour que si maintenant nous avons deux heures à l'heure, pas nous devons nous avons un job de gagner. Et nous avons un mal. Vous comprenez? Moi, j'ai déjà 4 ans pour le mal. Mais moi, ça, jusqu'à présent. Pas pour comme la foi dans mon Dieu, la qui on a mon Dieu. Donc la foi dans mon Dieu, la mais nous protéger Dieu. Et pas comme nous capables de faire tout, pas comme nous capables de déranger, pas comme nous capables de faire oui, parce que nous avons protégé là, c'est Jésus-Christ. Et il dit, mais les versets là, il dit, il arrivait à Élim où il y avait 12 sous-dos et 70 parmi le numéro 70. C'est le chiffre de l'humanité. En d'autres termes, au lieu de nous dire le monde est 61 millions de personnes, la Bible dit 60 personnes. Ça veut dire que Christ est 12 sous de ça, ligué provision pour nourrir tout le monde entier. 4 sous de ça. Donc, écoutez vous-même, ligué pouvoir, ligué capacité, ligué puissance pour que la personne n'ait pas de cas auprès, n'ait pas de cas auprès, n'ait pas de crise de pouvoir pour être capable de grâce. Sois pas découragé, sous ce titre, on va tomber. T'aimais bien Christ, toi, esprit, parce que je trouve. En plus, on va sentir que présente pour Dieu, pas avec vous. Non. Pas avec vous, comme ça. Il faut apprendre comme ça. Présente mon bébé pour la Christ, présente si tu l'as suivi et tout de ma copie. On va vous sentir qu'en plus, on va tomber et pour sentir que mon Dieu est convaincu. Mais c'est Christ qui vous attendez. Donc, regardez le mon Dieu, persévérez le mon Dieu, parce que gloire à les peuples à ta cause, on veut te mettre Jésus-Christ pour que ta parole nous tous. Donc, lorsque nous venons au moment qui est à terre, Jésus-Christ a là pour que ma parole la garde tous. C'est bon de bénir. C'est bon de bénir. C'est bon de protéger. C'est bon de sanctifier. On est Christ là pour protéger nous en tout et partout. Donc, partout nous sommes tous seuls, bon de la vie, que mon Dieu. Sous qui apprécier le présent sur. Merci pour les
Pablier, nous avons et nous faisons ça, nous faisons tout le monde, nous faisons la balance, et nous voulons, nous faisons l'école du dimanche, j'ai entré en 2019, parce qu'il y a deux ans, nous n'avons que fait l'école du dimanche globale, chaque dimanche matin comme ça. Le premier dimanche du mois de mai, on a réutilisé toute la que j'ai entré. Et puis le premier dimanche du mois d'avril, on a aussi ouvert classe par terre. Nous avons tout le monde qui voulait baptiser, je suis avec la seule personne du mois, c'est le qui en charge, classe baptême, que nous va baptême ça, nous va faire au mois d'août et dans l'éveil annuel. Et aussi, songez, frère Patrick Delégeance, on a prêché sept paroles. Ici, on a commencé du 10 au 17 avril. Je prends note, faire possibilité pour qu'à chaque soir, et pour que le Seigneur il va richement avec nous. Hier, nous étions ensemble avec l'une des pasteurs, Philadelphie, c'est là que nous avons le pasteur Maki. En plus, nous avons le pasteur Maki, et qui est là, qui mourit, et ça a anticipé de nous voir. Moi-même, pas notamment, parce que c'est notre frère, son madame qui est déplacée, il ne peut pas oublier un jeune samedi si tu veux, mais c'est seul moi-même qui parle là, pour faire des filles, dans l'enterrement, sur ma cœur. Alors, mettez-nous debout pour nous chanter ensemble. Quand il fait neuf, la gloire à l'agneau. Madame, nous recevons aussi le fil de Sœur Ravine, qui m'a le pasteur Jimmy, qui est actuellement à l'hôpital. Et nous voulons prendre une petite tragédie à parce que. Nous voulons prendre une petite tragédie parce que. Il y a une tension qui est là, un voltage. On va prier pour lui. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en la faiblesse. Conduit par sa sûre main, il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin et je marche en la faiblesse. Conduit par sa sûre. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa
sœurs qui étaient sortis de loin, très loin. Du matin, pour nous venir ensemble, pour nous former au cœur d'adoration, ça nous remercie au Servanton. Mon chutin qui était compris, c'est un rituel qui était, Seigneur, encouragé. Chaque cœur qui t'attendait paroles avec patience, Seigneur, nous nous remercions, ma terre. Et maintenant, pour nous déplacer, nous va préserver et bénir chacun de nous-mêmes. Assurément que ça va retourner pour la caillou qui parle le travail, nous allons préserver, au Seigneur. Et nous tous allons retourner là pour la caillou, Seigneur, dans le ça, nous allons garder. Nous présentons le Seigneur matin, la sœur Déborah. Seigneur Dieu, grand, on va toucher les côtés des couchés, Seigneur, dans Florida, Seigneur, on va avec lui assister, puisque nous mettons le docteur à côté. Seigneur, douleur, ça a eu une inflammation que nous gagnons, une tension que nous gagnons. Seigneur, nous allons voir, Seigneur, épanouir, servant du bouillon. Parce que c'est lui, Seigneur, dans l'activité, quand ça est présenté dans l'accouchement, et comme c'est très fréquent, Seigneur. Nous allons voir, Seigneur, préserver, garder aussi jeune qu'elle est, et comme ça, Seigneur, famille, on va remercier. Nous présenter la sœur Edel devant nous, on va continuer à toucher. Sœur, frère, Seigneur, Dieu, Bernard, nous allons. Et le moment qui mourit, nous allons contrôler le serviteur pendant qu'il est disposé pour la Haïti, Seigneur. Nous-mêmes, on va servir de barrage pour lui-même. Et qu'on ça, Seigneur, pour retourner en pied dans notre petit tour, Seigneur. En termes de tout, chaque bien-aimé, l'Église, dans mon jour, en général, pas seulement qui le vend, qui est madame, Seigneur, qui déplace. On nous va avec le serviteur dans nos forces, le capable de mettre en présence de faveur. C'est grâce que nous avons dans notre petit tour, Jésus-Christ. Au siècle des siècles. Dans Jean chapitre 16, verset 18. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. C'est ici le pain qui descendit du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Verset 51 de sa vie, je suis le Père vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce Père, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, soit de même sur chacun de nous, des âmes en éternel. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Amen. Que Dieu bénisse. On se met dans le Seigneur. On précautionne à la prière parce que son bataille est ouverte. Il y a un jeu de football, il y a un jeu de